Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Nicolas, bienvenue dans 7 au carré, l'émission qui essaie de vous faire comprendre ce qui se passe dans les classes, de CP jusqu'au CM2, en mathématiques, et aussi qui va permettre aux parents d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Voilà, avec moi, pas de crayon, pas de papier, on écoute, on essaie de comprendre un petit peu des éléments, et puis si jamais on n'a pas tout compris aujourd'hui, c'est pas très grave, on pourra regarder à nouveau en replay. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux cubes et aux pavés, et à toutes les formes qu'on peut mettre... En trois dimensions, en 3D, donc. Allez, le cube et le pavé sont formés de carrés et de rectangles. D'accord Ils ont des faces, des arêtes et des sommets. On va regarder ensemble ce que sont les faces, les arêtes et les sommets et combien ils en ont. On va prendre d'abord le carré. Les faces des carrés. Alors, on a celle qui est devant, celle qui est sur. Le côté, l'autre côté qu'on ne voit pas, le dessus, le derrière et le dessous. En tout, on en a donc six, six faces. Est-ce qu'on a la même chose pour le rectangle? Celle qui est devant, dessus, droite, celle qu'on ne voit pas derrière, sur le côté gauche. Et en dessous et derrière, on en a bien six aussi. Maintenant, on va regarder les arêtes. Qu'est-ce que c'est une arête Une arête, c'est ce qu'on pourrait appeler, si c'était des, euh, des carrés, les côtés. Les arêtes, c'est ça. D'accord Voilà une arête. En voilà une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Si tout va bien, j'en ai aussi quatre en dessous. Ça me fait quatre et quatre, 8, 9, celle-ci. 10. Celle qui est caché 11 et 12. 12 arrête. Est-ce que c'est la même chose pour le pavé Normalement, ça devrait être la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a bien le même nombre d'arêtes pour les deux. Et maintenant, les sommets. Les sommets, c'est ce qui rejoint les différents angles. Vous voyez, il y a un sommet ici, comme le sommet de la montagne, c'est pointu. Un sommet là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et celui qui est caché, 8. Et vous l'avez compris, on va en avoir 8 aussi pour le pavé. Alors, on va vérifier quelque chose. Si je déplie un pavé, est-ce que oui, est-ce que je me retrouve bien avec les formes, avec des rectangles Oui, je me retrouve bien avec le pavé avec une, deux, trois, quatre, cinq, six rectangles qui forment les faces. Maintenant, on va voir si on déplie un cube. On déplie un cube ou un pavé ou une autre forme, on appelle ça des patrons. J'ai déjà, moi, vous voyez, pris mes six carrés. Alors, mes six carrés, comment je vais faire pour. Voilà. Je vais essayer de les déplacer pour en faire mon patron. J'en ai bien un, deux. Après, j'ai sur les côtés. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et celui du dessus. J'ai mon fond ici. Là, j'ai les deux autres côtés. Pardon, je reviens avec mon stylo. J'ai mon fond ici. Là, j'ai mes quatre côtés. Et là, j'ai le dessus. C'est un patron. Quand on le plie, on peut faire un cube. D'accord Hop là. Maintenant, on regarde. Si j'ai une forme avec un carré en patron, vous voyez, et quatre triangles isocèles, qu'est-ce que j'obtiens Ici, vous connaissez cette forme-là. Ça s'appelle une pyramide. Voilà, les cubes, les pavés, les pyramides sont appelés des solides. On appelle ça aussi des solides, des, parce que c'est des formes, euh, c des formes à, à, en trois dimensions. Voilà. Ils sont des solides particuliers, car ils sont formés de rectangles, carrés, triangles, polygones. On dit que ce sont des polyèdres. Poly, ça veut dire plusieurs, et hèdre, ça veut dire face. Ils ont plusieurs faces. Certains solides n'ont pas que des faces. Si vous regardez par exemple celui-ci, le cône, un cône, il va falloir, on aura bien un cercle en dessous, mais ici, on n'a pas une face qu'on appelle plane. Même chose pour le cylindre, on a bien un cercle en haut et en bas, mais le tour, ce n'est pas une face plane, si on le met sur le sol, ça roule. La sphère, c'est exactement la même chose. Elle n'a pas du tout elle de face plane. Un cube a une autre particularité, comme le carré, il sert à mesurer. Vous voyez, dans un cube, on peut mettre plein d'autres petits cubes. Et comme pour le carré, quand on s'en sert pour mesurer les surfaces, si on prend des cubes qui font un centimètre de côté, on va appeler ça des centimètres cubes. Et là, en fonction du nombre de centimètres cubes qu'on va pouvoir mettre dans un cube, ou dans une autre forme, par exemple un pavé, on va pouvoir compter combien à l'intérieur on met de cubes. Et donc on aura un centimètre cube en centimètre cube une réponse une vision de la quantité voilà ici par exemple on en a 3 comme ça d'accord 3 de ce côté donc ici on en a 9 et encore 9 derrière la tranche et encore 9 d'accord donc il y a 9 cubes ici encore 9 18 d'accord et encore 9 27 on sait à l'intérieur de ce cube qu'il y a 27 centimètre cube. Centimètre cube, centimètre carré, on l'écrivait avec un petit 2, centimètre cube, on l'écrit avec un petit 3. Une autre chose à savoir aussi au niveau des mesures universelles. Les mesures universelles, vous le savez, c'est qu'on on puisse l'utiliser partout dans le monde. Ici, donc, pour mesurer un litre d'eau, Qu'est-ce qu'on fait pour mesurer un litre d'eau On prend un cube qui fait 10 cm qui fait 10 cm de côté. Sur tous ces côtés, comme c'est un cube, tous les côtés font 10 cm. On le remplit à ras-bord d'eau. Eh bien, si on a 10 cm3, c'est égal à 1 litre d'eau. Et pour les masses, c'est la même chose. Ce cube-là, qui fait 1 litre d'eau, qu'est-ce qu'il nous fait Il nous fait 1 litre. Kilogrammes. Et voilà comment toutes les mesures peuvent être universelles et on peut les utiliser de partout dans le monde. Voilà. Donc les solides sont formés de faces planes ou non. Le cube sert à mesurer ce qu'on appelle les volumes, voilà. en, en centimètres ou en mètres cubes. Et le cube sert aussi à mesurer un litre ou plusieurs litres en fonction. Mais il sert, en tout cas, un cube de 10 cm de côté, à faire. Un litre voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir écouté j'espère que vous avez tout compris et euh, vous pouvez revoir sinon ça en replay je vous laisse avec thomas qui va vous raconter l'histoire d'un personnage célèbre de la loire à bientôt